Moment de joie et de reconnaissance pour les populations grâce aux réalisations du président Patrice Talon qui impactent le quotidien de ces femmes. Face à la mission gouvernementale conduite par le professeur Rogatien Tosu, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et des cadres techniques, les populations d'Anklankpa, Wedeme, Mangoumi, Assanté et Glasoué Centre ont exprimé de vives reconnaissances au président de la République pour les actions réalisées dans leur localité. Elles ont évoqué par la même occasion leurs préoccupations principales concernant le manque d'eau potable, l'état des routes, la transhumance des bêtes qui dévastent leur production agricole et la baisse du prix de vente du soja. Il a trop travaillé pour nous à Glasoué. Toutes les réalisations que la population dit, on s'est réalisé, on a vu ça, c'est réalisé. On a touché des mains, tout cela. Donc, je remercie le gouvernement de ne pas baisser les mains. Je sais qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas tout faire à Glasoué, mais de continuer encore pour que prochainement, quand il sera là pour les élections, nous allons toujours rester derrière lui. Donc, on est député, ouais. C'est à, ouais. Quand on va aller en Dokuni et Cho, écoute flin flin, les mino flin, mi bon, quoi, à Kuluno Berotona, nawa logobo minale flin, mi woman, quoi, nawa bi, noe, say adoleo, quoi, quoi, do, boy, calepo, n'tajiro, quoi, y'a des soins, j'en gona, noe, son soi, alors, dionne, eh, ouais, no, bani, rassure, si on voit de mi town, elle est possible. Mimo sin do gbani han so ya pe ya mi na kenkelen kenkelen bonu mi jeton mi na won mi ya. Nous sommes satisfaits, nous avons livré de quoi il a été question comme réalisation. Je crois que vous avez entendu, il y a eu, en tout cas en matière de sécurité, c'est aussi bon. Au niveau de certaines choses, le microcrédit, nous avons, en tout cas tout le monde constate avec nous. En dehors de ça, il y a beaucoup, il y a de l'eau effectivement ici. Dans les collines, le problème d'eau est crucial, mais on est en train de puiser, c'est proche, là où il y a le barrage, c'est proche de notre village ici, notre arrondissement. Nous sommes convaincus que quand ces travaux vont finir, nous aurons alors la possession, nous serons alors en possession de l'eau. Je voudrais très sincèrement dire que mes impressions sont bonnes et dire et saluer l'ingéniosité de l'idée du gouvernement. Parce que vous savez très bien, l'un des principes de la démocratie, c'est la transparence. Et il ne peut pas avoir de transparence sans reddition de comptes. Et vous savez que le pouvoir exécutif a été donné par le peuple au chef de l'État pour qu'il exerce au profit du peuple. Et c'est à travers donc, les réalisations des programmes, des projets dans divers secteurs. Donc pour qu'on soit sûr que le peuple qui a donné ce pouvoir bénéficie de ce pouvoir, c'est à travers cette région du compte. La population est aussi satisfaite. Partout où nous avons passé, où nous sommes passés, la population était contente. Les 8 ans de règne du président n'ont pas été fatales. Il a réalisé beaucoup de choses et sur toute l'étendue du territoire national. Précisément chez nous ici, dans la 10e, bon, comme vous l'aviez suivi dans les arrondissements, beaucoup de choses ont été faites. Et nous avons à Glasoué Centre ici, surtout ce grand marché. La population vient d'en parler, vous avez écouté. Donc, vraiment, nous sommes satisfaits. Les communautés ont massivement participé aux sessions de bilan des réalisations gouvernementales. Les chefs d'arrondissement ont mis en avant les progrès réalisés en matière de sécurité, l'électrification et surtout de santé grâce à la mobilisation des relais communautaires. En réponse à ces accomplissements, les leaders locaux ont chaleureusement remercié le chef de l'État. À Glasoué Centre, la délégation a été rejointe par la ministre de l'Enseignement supérieur, Eleonore Yaïla-Lekan, et Cyril Goubedi, deuxième secrétaire général du gouvernement,
Ils se sont engagés à plaider auprès du chef de l'État pour que les attentes des populations au cours des deux prochaines années soient satisfaites. La journée a été très bonne, puisque nous sommes allés à Klangpa, qui se trouve à 32 km de Glasgow. C'est vrai, c'est un calvaire en ce qui concerne l'état de dégradation de la voie Glasgow à Klangpa. Et vous avez constaté avec moi, au moment d'intervenir, les populations ont martelé leur volonté sur la réalisation de cette route. Ça fait partie de leur priorité. Priorité des priorités. C'est vrai, elles ont parlé de beaucoup d'autres choses. Mais elles sont allées jusqu'à dire qu'on pourrait même laisser tout ce qu'il y a à faire autre que cette voie et ne réaliser que cette voie pour elles. Elles seront déjà satisfaites. Et moi, j'ai été d'accord avec eux. Parce que la réalisation d'une route, d'une belle et longue route comme celle-là, pourrait constituer un sérieux pôle de développement pour la région. La route Glasgow-Hokor, Asante, Klangpa, Diagbalo, Bante, elle est très importante pour les populations de Glasgow et environ. La route Glasgow-Wedeme, Lahotan, Logozoré. Voilà une seconde route qui est aussi très importante pour les populations de Glasgow. Elles ont martelé ça partout où on est passé. À Klangpa, à Santé, comme à Glasgow Centre. Cette doléance, cette volonté a été au centre de tous les débats, de toutes les discussions. Nous n'avons pas raté ou manqué de leur dire que la décision a été déjà été prise par le Conseil des ministres de mars dernier. Il ne reste qu'à démarrer les activités, les travaux. Cette tournée de vulgarisation des réalisations du président Patrice Talon dans les arrondissements de Glasgow a permis à la mission gouvernementale d'évaluer le niveau de satisfaction des populations avec à la clé le point des préoccupations des populations rencontrées à transmettre au président de la République.